dans sa condition. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous mettons notre confiance dans notre condition. Quelle est la première condition? C'est-à-dire le christianisme intellectuel. Hein? Monsieur intellectuel, alors moi, c'est moi. Nous mettons notre confiance dans quelle condition? Dans notre argent. Alléluia. Nous mettons notre confiance dans quelle condition? Dans notre mari. Nous mettons notre confiance dans quelle condition? Dans notre femme. C'est-à-dire, nous mettons des conditions dans ce que nous avons. Alléluia. Parce que je suis ceci, je mets ma condition dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Paul n'a pas mis la confiance dans sa condition. Mais aujourd'hui, les chrétiens mettent leur confiance dans leur condition. En d'autres termes, dans leur position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui pour reprendre son corps, qui est l'Église? La Bible déclare, écoutez, je vais vous dire, je suis clair, la Bible déclare ceci. Il n'a pas dit que quand je reviendrai, j'ai trouvé la prière. Est-ce que j'ai retrouvé le jeûne? Est-ce que j'ai la prédication? Non. Il a dit ceci. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quelle est ta foi? Tu mets ta confiance dans quelles conditions? Alléluia! Alléluia! Tu mets ta confiance dans quelles conditions, mes amis? Dans ce que tu es? Dans ce que tu es? Jésus-Christ a demandé le jour qu'il viendra et trouvera la foi sur la terre. Nous mettons notre foi, notre confiance dans notre condition, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Mais nous oublions une chose. Ce que nous sommes, c'est un don de la part de qui? De Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons, je vais vous dire. Regardez, regardez-moi. Vous tous, regardez-moi. S'il enlève ça, le souffle de la vie, les rois ont déjà le grec, même en grec, est-ce que je vais encore vivre? On va commencer à regarder. Il était là, il est avec nous. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Mais Paul, auparavant, il mettait sa confiance dans sa condition en disant, moi, je suis docteur de la loi. Hein? Deux, je suis juif, bien des juifs. Trois, j'ai le pouvoir et l'autorité de faire tout ce que je veux. Alléluia. Mais quand il a été touché par Dieu, son esprit, écoutez-moi bien, Paul a commencé à se soumettre à Dieu, son esprit. Et l'exhortation de ce matin, c'est se soumettre à Dieu, son esprit. Amen. 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 Tu dois te soumettre à Dieu Saint-Esprit. Ne regarde, il ne faut pas mettre ta confiance à ta condition. Je vais vous dire la vérité ce matin. Quel que soit le nombre d'argent que vous avez sur la banque, ne mettez pas votre confiance à cet argent-là. Alléluia. Quel que soit vos diplômes, ne mettez pas votre confiance à vos diplômes. Ne mettez pas votre confiance à votre mari, à votre femme. Parce que la Bible dit, maudit, ça c'est lui qui se confie. Maudit! C'est-à-dire, c'est une. Il est une malédiction, une personne qui s'est confiée à une tierce. Et personne. Mais dis-le avec ta femme, il ne faut pas aller avec ta femme et ton mari. Parce qu'elle nous a dit ce matin, il faut aller avec ton mari, il faut aller avec mon mari. Loin de là, n'est-ce pas? Mais Paul, docteur de la loi, il y avait des zèle pour persécuter l'Église. Parce qu'il avait tous les pouvoirs. Donné par les sacrificateurs, l'esprit des pharisiens. Il avait tous les pouvoirs. Si tu passais dans le chemin de Paul, il te voyait. Il dit, arrête-moi ce monsieur parce qu'il est en train de convoquer le Seigneur Jésus-Christ. On t'a arrêté, on t'a tiré du côté. Mais quand il a été saisi par Dieu Saint-Esprit, et c'est là où il déclare ceci en disant ceci. Hé! En effet, le vrai circoncis, c'est nous. Qui rendons notre cœur à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui place notre fierté en Jésus-Christ et qui ne trouve pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, écoutez, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Quelle était sa condition? Il était bien.
et gagnait bien sa vie, Paul, n'est-ce pas, docteur de la loi, zélé pour tuer le chrétien. Si vous n'avez pas pouvoir se confier dans sa condition, écoute ce qu'il fait, dans sa condition, je ne peux plus, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis ici du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et de hébreu. À ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Donc, regardez, quand on voit les décors qu'il est en train de nous montrer, qu'est-ce qu'il était? Juif né de Juif, pharisien, docteur de la loi. Il avait tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Mais, et il continue, du point de vue. Disait, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi, par rapport aux idées de la loi. J'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es saisi par Dieu, Saint-Esprit, mon ami, tout ce qui était de l'intérêt pour toi, tu vas le regarder comme une perte. Pourquoi? Parce que tu vas regarder les intérêts de qui? De Dieu. Saint-Esprit. Et quand tu commences à regarder les intérêts de Dieu, qu'est-ce que Dieu Saint-Esprit va faire dans ta vie? C'est là où, écoutez-moi bien, mes amis, c'est là où il y aura la communion entre toi et Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est là où il y aura quoi? La communion entre toi et qui? Et Dieu Saint-Esprit. Mais tant que nous restons tous dans notre condition, de regarder, nous plaçons notre confiance dans notre condition. Rien ne peut se faire avec Dieu, Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous venez aujourd'hui que les chrétiens vont aller consulter les voyants, les marabouts, les tchik-tchak. Alléluia. Alléluia. Quand nous... Oh mon Dieu. Tant qu'on n'a pas compris que je dois placer, que nous devons placer notre confiance à Dieu, Saint-Esprit, mes amis, nous resterons dans les faux raisonnements avec le monde. Or, le faux raisonnement ne peut pas être en harmonie avec Dieu Saint-Esprit. Comment Dieu Saint-Esprit va te révéler l'avenir? Alléluia. Et vous voyez que c'est le voyant, les astrologues qui révèlent l'avenir. Loin de là, Dieu Saint-Esprit révèle l'avenir. Révèle ce qui va t'arriver. Parce qu'il connaît tout, il sonne tout, il dirige tout, il contrôle tout. Parce qu'il est Dieu, Saint-Esprit. Alléluia. Il est connu, c'est tout. La confiance, il a pris cette condition. Ta vie. Alléluia. 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 Il continue. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures en fait de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Que faire? Bon. On a un professeur avec nous ici. Hein? Le professeur de notre cours, n'est-ce pas? À l'école secondaire, ici, à mon avis. Après le compte. Bon, ce professeur-là, s'il met son intelligence, sa condition de recevoir de l'école dans son intelligence, il ne peut rien faire. Il peut avoir les connaissances intellectuelles. Il arrive devant les élèves, il a préparé bien son cours. Il dit, okay, aujourd'hui, je viens dispenser mon cours. Il arrive là-bas. Dieu s'est fait ce cœur. Dans son cerveau. Il est là, il commence à regarder le procès. Il regarde les notes qu'il a préparées, il ne sait pas voir. Il enlève les lunettes qu'il dépose. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il est celui qui a le pouvoir sur sa vie. C'est lui qui dirige sa vie. C'est Dieu, son esprit. Si c'est confié à Dieu, alors il doit être en communion avec Dieu, son esprit. Et Dieu, son esprit, va commencer à le révéler sa vie future et présente. Dieu Saint-Esprit n'a pas besoin de nous révéler le passé. Le passé, c'est le passé. Alléluia. Alléluia. Le passé, c'est le passé. Mais nous seuls, nous révèlons le
présent. Pourquoi? Parce qu'il renverse les forteresses. A renverser les forteresses qui résonnent. Il vient maintenant tabernacler à nous. Et quand il vient tabernacler à nous, il commence à nous parler. Oh, alléluia! Il y a une amitié fraternelle. Il y a une communion fraternelle avec les vieux Saint-Esprit. Tu ouvres ta bouche, il commence à te parler. Quand il commence à te parler, tu lui parles, il te parle. Alléluia. Tu commences à marcher comme un homme, une femme avertie. Alléluia. Amen. Tu marches comme un homme, une femme avertie. À condition d'être en communion avec qui? Avec le Dieu Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous avez besoin se trouve. Se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui vous donne cela, c'est Dieu Saint-Esprit. Et quand vous n'êtes pas à communion avec le Saint-Esprit, tout ce que vous cherchez, vous n'aurez rien dedans. Vous allez chercher avec vos capacités intellectuelles. Vous allez chercher avec vos moyens, avec vos talents. Mais Dieu Saint-Esprit, alléluia! Mais Dieu Saint-Esprit. Oh, salut, c'est là. Alléluia. Mais à condition d'être à communion avec le Saint-Esprit, c'est soumettre à Dieu Saint-Esprit. Parce que quand il dit, non, c'est non. Dieu Saint-Esprit, dans le chapitre de 13 verset 8, il renverse nos raisonnements. Parce que nos raisonnements sont de la terre, sont des raisonnements humains. Mais le raisonnement du Saint-Esprit, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien à nous tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 10, verset 10, Dieu Saint-Esprit nous dirige. Même dans toutes les choses, Dieu Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dirige. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, le problème est ici maintenant. Tu veux que Dieu te dirige par qui? Ah ah. Il veut te diriger par qui? Tu peux te diriger par ton mari, par ta femme, par tes diplômes, par tes capacités intellectuelles, par ton argent. Tout cela, écoutez-moi, regardez-moi, c'est une vanité et vanité. Alléluia. Alléluia. Vanité et vanité. Mais si nous nous laissons diriger par Dieu Saint-Esprit, parle de Dieu, parle de Dieu, ta vie va changer, ma vie va changer. Notre vie à nous tous va être changée. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous nous laissons diriger par Dieu Saint-Esprit, nous nous soumettons à lui, il commence à prendre les choses de Dieu et venir les déposer dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 20, verset 2, tu déclares ici, c'est Dieu qui établit. Tu vas être établi quelque part, dans le travail, partout. Qui va l'établir? C'est Dieu Saint-Esprit qui va faire le qui va t'établir. Tu ne sais pas Jésus-Christ. Jésus-Christ au travail, mes amis, c'était de mourir à la croix pour nos péchés, nous réconcilier avec eux. Alléluia. Comment les gens ne connaissent pas Dieu Saint-Esprit? Ils croient que Dieu Saint-Esprit, c'est une puissance. Non, Dieu Saint-Esprit, Dieu. Quand Dieu le Dieu, dans la création, il était là. Quand Dieu parlait, lui se mettait à l'air pour créer. Alléluia. Alléluia. Qui va t'établir dans la vie? Qui va t'établir dans la société? Qui va t'établir au travail? Qui va t'établir tout ce que Dieu fait? C'est Dieu! Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, qui fait des miracles, des signes, des produits? Oui. Alléluia. Amen. Qui allonge même le pied? Qui allonge la main? Qui? Dieu Saint-Esprit. Tu veux voir le miracle? Alléluia. Amen. Tu veux voir des prodiges? Alléluia. Amen. Tu veux voir des merveilles? À une condition, c'est se mettre à qui? À Dieu. Saint-Esprit. C'est lui seul. Alléluia. Lui seul, Dieu Saint-Esprit, mes amis. Hein? Saint-Esprit. Écoutez. Il peut ordonner. Hein? Il peut ordonner Dieu Saint-Esprit un clin d'œil en un instant, ta vie est transformée
Et que les gens qui s'évoquaient de toi, moi, ça dit, mais comment s'est-il passé? Comment s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Mais il a une condition, c'est soumettre au Dieu Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres ont fait des miracles, des signes, des produits, des merveilles? Et aujourd'hui, on pense à dire non. Les miracles, les signes, les produits, les merveilles, c'était à l'époque des apôtres. Non. Parce que les apôtres, c'est ça, soumis au Dieu Saint-Esprit. Mes amis, qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence? Je pose la question. Voilà, Dieu Saint-Esprit. C'est une maladie grave. Il a le pouvoir, Dieu Saint-Esprit, de guérir, de prendre la pièce au ciel et venir déposer la tronc corps pour remplacer la pièce qui était déjà morte, c'est ce que dire. C'est Dieu Saint-Esprit. Pourquoi on ne veut pas obéir au Dieu Saint-Esprit? Pourquoi on ne veut pas se soumettre à Dieu? Parce qu'on ne veut pas. L'être humain, pourquoi on ne veut pas? Parce que Dieu Saint-Esprit est exigeant. Alléluia. Il exige la sainteté. Sainteté. La sainteté. Il est Dieu Saint. Ah, regardez. Dieu Saint. Il n'existe pas la sainteté. À nous tous, nous devons nous soumettre à la sainteté. Seigneur, je me soumets à toi. Conduis ma vie. Nous devons dire, Dieu Saint-Esprit, conduit ma vie. Et nous te laissons conduire notre vie. Parce que quand nous le laissons conduire notre vie à Dieu Saint-Esprit, alléluia, il va conduire tout notre être entier. Amen. Et quand il commence à conduire, mes amis, je vais vous dire, il est Dieu. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que j'ai besoin. Il sait là où nous toucher. Pourquoi ne touche pas? Parce qu'on ne sont pas soumis à lui. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 1, verset 19. C'est Dieu, c'est lui qui nous secoue. D'où le viendra le secours? Dit David. Le Dieu de l'éternel. Maintenant, nous, aujourd'hui, d'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de Dieu Saint-Esprit. Mes amis. Alléluia. Amen. À condition qu'il te laisse se soumettre à Dieu Saint-Esprit, qu'il puisse faire le travail qu'il a fait à nous. La parole de l'éclat dans Ephésiens 5, 16, c'est que il prend le contrôle de notre être entier. C'est-à-dire, âme, corps, esprit. Quand il prend le contrôle bien sûr de notre être entier, il commence à faire des guillemets. Est-ce que nous pouvons nous dire ce matin, Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Hey! Oh! Est-ce que nous pouvons nous dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, la prière ce matin, hein? On va dire, ah, c'est si, Dieu Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Amen. Et quand il commence à faire, lorsque fait, oh, ne mettez pas l'obstacle. Alléluia. Dire, c'est ça la prière qu'on dans cette prière-là. Non, la soumission au Saint-Esprit. Parce que Dieu Saint-Esprit a besoin de chacun de nous pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Mais on a peur, ou bien on ne veut pas se soumettre au Dieu Saint-Esprit. Comme on ne veut pas se soumettre au Dieu Saint-Esprit, on vit comme des communs mortels. Nous devons connaître la puissance de la résurrection. Qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts? Dieu Saint-Esprit. Il a amené l'image à la vérité. L'ange a obéi indirectement. Il est en train de ressusciter Jésus-Christ. Alors, s'il a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. Jésus-Christ est enterré dans le séjour des morts. Hein? Or, David dans les psaumes avait déjà prophétisé en disant ceci. Mort, où est ton oublion? Hein? Où est ton oublion? La mort, c'est pas celle que la mort physique, spirituelle, financière, etc. Vous pouvez continuer le travail. Vous pouvez continuer. Mais Dieu Saint-Esprit est la terre. Tu oublies que c'est lui qui t'a créé, c'est qui? C'est Dieu.
Toi, terre, tu dois vomir le roi des rois. La Bible déclare, ce jour-là, et la terre a eu chaud. Alléluia. La terre a eu chaud pour se dire, ah non, je ne peux pas devenir le roi des rois. Bon, écoute, ici, moi, qui es-tu? Dieu la terre remplie du Saint-Esprit. Ah. Ah. Nous sommes appuyés de la terre. Mais dans cette poussée qui est la terre, Dieu a mis quelque chose de valeur qu'il n'a pas mis à aucun maître, ni aux anges, ni aux animaux, ni aux plantes, ni aux poissons. Il a mis ce maître en toi et à moi. C'est Dieu sans toi. Et c'est la raison pour laquelle notre vie, l'autre est toujours jaloux de notre vie. Parce qu'elle sait que Dieu Saint-Esprit, si tu te laisses conduire par Dieu Saint-Esprit, il va faire de grandes choses qui vont étonner les gens. Alléluia. À commencer par ta famille. Oh yes, parce que Dieu Saint-Esprit. Alléluia. A le pouvoir, a l'autorité. Écoute-moi bien. Le pouvoir, l'autorité de changer le cours de l'histoire de l'être humain. Amen. Le cours de l'histoire de ta vie, Dieu Saint-Esprit a le pouvoir de changer. Et quand il change, tous ceux qui s'y moquaient de toi, hey, c'est son Dieu. Je disais que c'est ton Dieu, mais il ne fait rien. Ton Dieu, oui, je vous dis ceci. Dieu Saint-Esprit, au travers de toi, va faire des grandes choses. Alléluia. Mais à condition de le laisser faire le travail. Alors Paul dit ceci. Ce n'est pas que Jésus a remporté le prix à qui Jésus a atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Vous voyez? Il court. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Quand on a lancé, on n'a pas mis le cheval aujourd'hui. Non. Non. Bon, non, non, c'est trop tard, là. Il fait beau, hein? Est-ce que tu vas être mort? Je sais pas. Alléluia. Alléluia. Dieu Saint-Esprit s'est emparé de Paul. Et Paul s'est laissé conduire par des hommes. Il n'a pas regardé le passé. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu as l'onction, tu as ceci dit, je suis arrivé. C'est rien, non. Paul dit, je cours. Nous devons courir avec le Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Alors, ma question. Qui est né ici? Avec les maisons dans la main. Avec les maisons, on a dit les maisons dans la main. Qui est né avec le pantalon de la jupe dans la main? Qui est né avec de l'or et l'argent diamant dans la main? Qui est né? Hein? Qui est né? Demande-moi la personne qui est née en disant comme on dit oh, tel enfant est né avec l'étoile. Qui? Qui? Alors, mes amis, pourquoi nous nous tracassons? Pourquoi nous nous tracassons? Laissez-nous conduire par Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne manquerez de rien quand vous vous laissez conduire par Dieu Saint-Esprit. Parce que Dieu Saint-Esprit dirige, contrôle, ordonne, donne de l'ordre, si vous voulez bien, aux événements de l'histoire de notre vie à se soumettre à nos pieds. Amen. Amen. Les événements de notre vie, quand nous soumettons à Dieu Saint-Esprit, vont se soumettre à la puissance de Dieu Saint-Esprit. Parce que Dieu Saint-Esprit, c'est lui seul qui contrôle les éléments de ma vie, de ta vie, de notre vie, chaque situation. Rien ne peut lui échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien. Ce n'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est de se dire, Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Comment je vais me conduire? Comment je vais me comporter?
Et il nous enseigne et nous conduit à toute la vérité. Prenez ces versets-là de Jean 16, 13 pour vous. Il nous dit ceci. Il nous annonce les choses à venir. Il nous annonce, c'est ça l'esprit de la prophétie. Il nous annonce les choses à venir. Et vous dormez. Il nous annonce les choses à venir. Tu veux connaître ton futur? Hein? Va dans les gens. Car le conservateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne fera pas de lui-même, mais il vous dira tous ceux qui l'auront attendu et il vous annoncera les choses à venir. Qui est qui dans la prophétie? Tu vas connaître ton avenir. Oh! Tu vas connaître ton avenir, c'est quoi se passer demain? Soumets-toi à Dieu, Saint-Esprit. Il va te parler. Je vais vous dire ceci. Dieu Saint-Esprit parle comme il vous parle comme ça. Je vous dis la vérité. Dieu Saint-Esprit parle comme il vous parle. Les gens vont aller chercher chez le marabout, chez les voyants, vous savez les choses à venir. Est-ce que le monde va venir? Est-ce que j'aurai ceci? Qui j'imagine ici? Hein? Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il nous annonce les choses qui vont arriver, et c'est là, et non pas pour notre gloire. Comme on a chanté, je me soumets. Nous devons nous soumettre à Dieu Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu Saint-Esprit, il fait le miracle, le prodige, le signe, il révèle les choses. Il guérit, il soigne, il restaure, il réconcilie, parce qu'il est Dieu Saint. Ce n'est pas Jésus-Christ, parce qu'il a dit Jésus-Christ ne peut pas révéler l'avenir. Non, ce n'est pas son travail. Il a terminé son travail. Il est notre Seigneur, il est règne. Hein? Mais Dieu Saint-Esprit est à nous pour bâtir son Église, pour faire avancer l'Église. J'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il va conduire la prière de se soumettre au Dieu Saint-Esprit. Alors, qui va se soumettre au Dieu Saint-Esprit? Hein? Tout le monde. Hé, hey, écoutez-moi bien. Hein? Même les dieux. Même les dieux. Hein? Ce n'est pas le mariage que j'en casse. Non, ce n'est pas ça. Oh, oh. Ce n'est pas le mariage. Quel jacques, non, ce n'est pas ça. Parce que malgré que tu te réveilles le matin, je ne me donne pas, c'est la vie, elle est mauvaise. Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est soumettre à Dieu Saint-Esprit. C'est un engagement solennel. Écoutez-moi, un engagement solennel pour dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie, c'est toi qui la dirige, qui la contrôle. Qui prend la décision. Alléluia. Amen. Et quand il commence à négliger, et il vous dit ceci, vous savez, quand il commence à négliger ta vie, non, il ne peut pas te laisser continuer. Non, il ne peut pas te laisser continuer. Parce qu'avant même la situation qui s'est arrivée, il a déjà donné la réponse. Il est Dieu Saint-Esprit. Amen. Hein? Avant que la situation arrive, il a déjà donné la réponse. Quand tu es en train de te passer, la réponse est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est soumettre au Dieu Saint-Esprit. Le thème de ce matin, l'exhortation de ce matin, c'est de soumettre au Dieu Saint-Esprit. Amen. Vous avez déjà reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a reçu Jésus-Christ. On connaît Dieu le Père. Jésus-Christ nous a pardonné tous nos péchés. Il nous a purifié nos péchés. Il nous a sanctifié nos péchés. Nous sommes les saints et saints. Maintenant, qui va conduire notre vie? C'est Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ces mêmes puissances. Non. Quand j'ai dit recevez le feu, qui sort le feu, qui sort le soleil, l'onction, ce n'est pas ça. C'est Dieu à moi. C'est Dieu à personne. Et quand quand tu commences à parler avec lui, à dialoguer avec lui, il va diriger ta vie. Il ne te laissera pas te continuer.
Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire là, de mon ami d'Abraham. J'ai parlé, n'est-ce pas? Hein? J'ai parlé. Et Dieu, ce Dieu-là, lui, c'est pour aujourd'hui. Il parle. Amen. Amen. Il parle. Je vous dis, bien, il parle. Il peut le dire. Lève-toi.